Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour célébrer ensemble, enfin en tout cas préparer ensemble, le sabbat de Beltane, ou également connu sous le nom de Beltane. Beltane fait partie des 8 sabbats majeurs que l'on va retrouver sur la roue traditionnelle de l'année. Beltane se célèbre traditionnellement entre le 30 avril et le 1er mai, et entre ces deux jours, il y a la nuit de Valpurgis, qu'on appelle également la nuit des sorcières, qui était initialement une fête pas du tout célébrée à cette époque-là, mais église passant par là avec les interdits, hein, menaçant du bûcher, etc., etc. On a déplacé cette fête sur la nuit du 30 avril au 1er mai, ce qui n'a pas empêché bien sûr d'être proscrite, hein, sous peine de bûcher, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mais cette nuit est surnommée la nuit des sorcières car en effet on dit que durant cette nuit du 30 avril au 1er mai, le voile qui sépare le monde des vivants, des humains et le monde de l'invisible du petit peuple comme les fées, les trolls, les gnomes, les elfes et les différents élémentaux, eh bien devient extrêmement fin et permet de pouvoir avoir une meilleure connexion entre ces mondes. Beltane est aux antipodes de Samhain, c'est-à-dire que Samhain, qui est célébré le 31 octobre, va marquer le début de la période sombre, et on va dire également que le voile qui sépare le monde des vivants et le monde des morts ainsi que des démons est plus fin que d'ordinaire et va permettre une meilleure communication durant la nuit de Samhain. Beltane, c'est l'inverse, puisque Beltane va célébrer la fin de la période sombre et également va marquer aussi par ce voile qui est fin, mais non pas avec les morts et les démons, mais plutôt avec les elfes, les fées, etc., etc. Donc si vous êtes dans la fairy magic, eh bien c'est une fête qui va beaucoup vous plaire. Beltane marque vraiment l'entrée de l'été, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, l'été se situe le 21 juin, lors du solstice d'été, hein, qu'on va appeler également Lita. Mais que nenni, Lita ne marque pas l'été, mais au contraire va marquer le point culminant de l'été. Beltane, quant à lui, va marquer l'entrée de l'été, c'est-à-dire que Ostara marquait officiellement l'entrée du printemps, Beltane va mettre fin au printemps pour nous signifier l'entrée dans l'été. En effet, généralement à cette période-là, au mois de mai, le soleil est de retour ainsi que la chaleur, les fleurs sont au maximum de leur beauté et de leur couleur, la chaleur revient, les activités reviennent, les pique-niques reviennent et tout ce qu'on a l'habitude de faire et ce que l'on aime faire en extérieur, eh bien on va pouvoir le refaire de nouveau. Beltane n'échappe pas à cette règle puisque c'est un sabbat, comme je l'ai dit, extrêmement festif, extrêmement coloré, c'est la fête de l'amour, c'est la fête tout court. Également, s'il y avait une Saint-Valentin chez les sorciers et les sorcières, eh bien ce serait le sabbat de Beltane, puisqu'en effet c'est la fête de l'amour. Beltane symbolise la déesse et le dieu cornu. Alors selon vos croyances et selon les mouvements, on va mettre en avant le dieu Pan, le satyre Pan, qui est le dieu de la sexualité, des plaisirs, de la danse, du chant, de la musique, mais également l'homme cornu, le dieu cornu, hein, qui est associé à la Wicca, mais également l'homme vert, celui qu'on ne présente plus, hein, le gardien de la nature. Et bien ces trois divinités vont être dans une sorte de démarche à la fois sensuelle et sexuelle pour séduire notre déesse afin et bien de la féconder pour lui donner la vie. Notre déesse qui, elle aussi, en fonction du folklore que vous avez et auquel vous croyez, parfois c'était la déesse Flora, hein, chez les Grecs, la déesse des fleurs, qui symbolisait cette représentation, cette iconographie de Beltane. Et puis plus tard, ça a été Hécate ou Diane également, hein, que l'on ne présente plus, ou plus récemment la triple déesse, notre déesse pour ceux qui sont dans la Wicca. Donc peu importe quel dieu et quelle déesse, mais on va avoir cette symbolique du dieu et de la déesse qui vont comme ça rentrer dans une valse amoureuse, se séduire jusqu'à eh bien l'explosion sensuelle et l'explosion d'amour qui va les porter à s'accoupler afin de procréer et d'apporter la vie.
Comme vous l'aurez donc compris, Beltane est vraiment la fête de l'amour, la fête du rassemblement, la fête des fêtes. C'est pourquoi la plupart des hôtels et des activités que l'on va réaliser vont se faire principalement en extérieur. C'est pourquoi je vous invite à aller vous promener le jour du 1er mai, même à partir du 30 avril, sachant que le 30 avril et le 1er mai tombent des week-ends pour cette année-là. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ne travaillez pas pour les autres, j'en suis désolé, mais si vous pouvez trouver un petit moment pour aller vous promener et profiter de la nature et des fleurs, ne serait-ce que plusieurs activités comme réaliser des pique-niques, réaliser des barbecues, vous pouvez faire des jeux et des activités en extérieur, vous pouvez réaliser des couronnes de fleurs, et bien entendu le symbole emblématique de Beltane va être le mât, l'arbre de Beltane, l'arbre à souhait qui est caractéristique de cette fête. Traditionnellement, le mât de Beltane va être soit un véritable mât, c'est-à-dire qu'on va prendre un tronc d'arbre, on va le débarrasser de ses branches, on va le planter dans la terre, au sommet on va y hisser une couronne et il y aura plusieurs rubans, et tous ces rubans, chaque participant va prendre un ruban, et dans une chorégraphie, une danse effrénée et absolument superbe, chacun va entrelacer petit à petit les rubans qui vont descendre le long du mât. Mais vous pouvez également accrocher des rubans dans un arbre qui vous tiendrait particulièrement à cœur, un arbre vers lequel vous avez l'habitude de méditer ou de vous retrouver ou de simplement de parler avec lui, hein. Je sais pas vous, mais personnellement moi ça m'arrive de parler aux arbres. Oui et alors, il n'y a pas de mal à parler aux arbres. Eh bien, si vous avez un arbre que vous trouvez particulièrement beau, qui vous parle, que vous trouvez majestueux, eh bien, rien ne vous empêche d'aller lui adresser vos vœux et vos souhaits manifestés par des petits rubans colorés que vous allez pouvoir attacher sur ses branches. Et chaque ruban noué va représenter un vœu. Essayez de visualiser le vœu que vous avez et que vous mettez dans votre nœud que personne ne pourra enlever. Et ainsi, c'est votre arbre totem qui va porter l'ensemble de vos vœux. Le mât de Beltane, lui aussi, a une symbolique extrêmement forte, puisque dans le mât, le tronc en lui-même, dans sa forme phallique, celui-ci va représenter le dieu, et le cercle, la couronne de fleurs que l'on va mettre autour du mât, représente le sexe féminin de la déesse. Donc comme vous l'aurez compris, le mât de Beltane représente vraiment la symbolique de l'accouplement du dieu et de la déesse. Comment célébrer Beltane? Eh bien, comme je viens de vous le dire, par la fête. C'est vraiment la fête des fêtes, c'est la fête de l'amour, c'est la fête avec les amis, la famille, donc faites des activités en extérieur, riez, jouez, mangez, faites-vous plaisir, faites des batailles de fleurs si vous voulez, faites des couronnes de fleurs, réalisez des rituels qui sont dédiés à la terre également, hein, puisque Beltane est en fait la succession d'Ostara, c'est-à-dire que ce que l'on a réalisé pour Ostara, toutes les plantations et les graines que l'on a faites pour Ostara, eh bien Beltane est la continuité, c'est-à-dire que l'on va nourrir les intentions que l'on a portées pour Ostara. Donc là on va vraiment faire des rituels pour aider à ce que tous nos projets, toutes nos graines, tout ce que l'on a planté pour Ostara, eh bien puisse grandir, évoluer et éclater dans une explosion de couleurs. Pour le repas, c'est très simple. Je vous invite à vous orienter, bien sûr, vers des plats extrêmement colorés, vers des choses de saison, des fruits et des légumes de saison. Mais vous pouvez opter également pour l'originalité avec des fleurs de bourrache, des fleurs de capucine, des fleurs de violette, de la lavande. Vous pouvez également réaliser le vin traditionnel de Beltane qui va être un vin blanc plutôt sucré et dans lequel on va ajouter plusieurs choses. Vous avez plusieurs recettes qui existent. Ne vous en faites pas, je vous ai prévu de vous montrer ça dans une autre vidéo dédiée à Beltane, je vous montrerai quelques recettes. À défaut du vin blanc, vous pouvez également utiliser du vin rosé. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, c'est une fête qui est véritablement festive. Donc il faut que vous fassiez des choses qui soient liées à la fête. Pourquoi pas des cotillons, pourquoi pas également des petits confettis. On essaye d'essayer de ne pas polluer, donc pourquoi pas remplacer les confettis par des pétales de fleurs, hein, ça peut être bien. Les cotillons, on peut remplacer par des petites torsades de fleurs également.
Concernant votre tenue, eh bien c'est pareil, dirigez-vous vers des choses qui sont le plus naturelles que possible. Pourquoi pas du lin, des tissus qui ne sont pas traités, à base de coton, hein, des choses qui soient le plus naturelles que possible. On va bien sûr s'orienter vers des tenues plutôt colorées, donc plutôt du rose, du vert, du bleu. On essaye de prendre les couleurs associées aux deux divinités qui sont mises à l'honneur, à savoir le vert pour le dieu, hein, puisqu'on part du principe que c'est l'homme vert, donc on va représenter l'homme en vert, et pour la déesse, eh bien on va prendre des couleurs comme le bleu, le rose, le jaune, le rose qui est la couleur de l'amour, de la romance, de la sensualité, le jaune qui est la couleur bien sûr solaire, hein, puisque l'on fête d'ailleurs le soleil, et le bleu qui va incarner eh bien tout cet aspect un petit peu naturel, le ciel bleu justement qui arrive durant l'été. Il y a également une autre activité que vous pouvez réaliser pour Beltane, ce sont les feux de Beltane. Alors attention, si vous êtes amené à réaliser un feu, soyez prudent lorsque vous manipulerez le feu. Bien entendu, si vous comptez faire un feu en extérieur, en pleine nature, c'est strictement interdit. Si c'est sur votre bout de terrain, que ce soit un jardin, un champ, ça devrait aller, mais on pense aux voisins aussi. Le mieux étant, mon conseil personnel, de prendre votre chaudron et de faire votre feu dans le chaudron. Ainsi, ça ne risque pas grand-chose et vous n'aurez pas besoin d'un accord pour faire un feu dans un chaudron. Et en termes de sécurité, ça va, ça devrait être assez facile de pouvoir maîtriser le feu. Gardez quand même à côté de vous de l'eau au cas où. Et le but de faire ce feu, eh bien, c'est de symboliser bien sûr le côté ardent de Beltane, la chaleur du soleil également, hein, puisque l'on célèbre et on fête l'été, mais également le feu va venir purifier de tout ce que l'on a vécu durant l'hiver, tout ce que l'on a emmagasiné. Le feu, c'est également la lumière, puisque Beltane incarne aussi la fête de la lumière, et vous pouvez vous amuser à sauter par-dessus le feu. Alors là encore, soyez vigilants, hein, surtout pour vous mesdames, si vous avez des robes, surtout des robes en lin, soyez très prudentes si vous êtes amenées à sauter au-dessus d'un feu. Ce serait bête quand même de finir au bûcher quand même. Mais cette symbolique de sauter au-dessus du feu permet eh bien justement de pouvoir purifier notre corps, notre aura également, notre corps astral et karmique, de pouvoir nous laver et nous débarrasser de tout ce qui nous retient et toutes les choses un petit peu négatives et sombres que l'on porte en nous. Passons maintenant à la décoration de l'hôtel de Beltane. Comme je viens de vous le dire, c'est un sabbat qui est particulièrement festif et coloré. Par conséquent, l'hôtel sera lui aussi festif et coloré. Les deux emblèmes pour moi les plus importants pour Beltane seraient le mât de Beltane et bien sûr les fleurs. Autant vous pouvez faire l'impasse sur les icônes, vous n'êtes pas obligé d'en mettre et vous n'êtes pas obligé également d'investir dans des statues. Vous pouvez très bien prendre des représentations en images. Si par exemple vous avez un oracle avec une représentation de la déesse, une représentation du dieu, eh bien vous utilisez votre oracle, ou si vous n'avez pas d'image, vous pouvez en imprimer. Et si vous ne voulez pas mettre de représentation, eh bien libre à vous, hein. Là c'est en fonction des croyances de chacun. Moi je vous montre un exemple pour vous donner des idées dans lesquelles vous allez pouvoir vous inspirer, mais surtout ne recopiez pas à l'identique ce que je fais, ça n'a pas de sens. Moi j'ai fait ça parce que ça me parle et c'est par rapport à ma conviction. Mais si vous, ça ne vous parle pas, ne faites pas comme moi, hein. Sentez-vous libre de faire comme vous voulez. Donc pour moi, j'ai mis deux représentations, bien sûr, le dieu Pan, hein. Lui, j'étais obligé puisqu'il va incarner l'aspect du masculin sacré, mais également la sexualité, la force, tout ce qui est en lien avec le côté charnel, les plaisirs, etc. Et ma représentation de la déesse, qui est une sorte de fée que j'aime beaucoup, ça fait des années que je l'ai celle-ci, et c'est ma représentation de la déesse, puisque on voit cette fée avec ses ailes qui sont composées eh bien de végétaux, et elle n'a pas de jambes, mais à partir de son buste, eh bien c'est un tronc d'arbre qui va ensuite s'enraciner dans les pierres et les petits champignons, et elle va porter une petite couronne de feuilles avec à l'intérieur de sa main une sphère en quartz. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'avais vu cette statue, tout de suite c'était ma vision à moi de mère nature, de ma déesse, puisque moi je vous le rappelle que je ne suis pas dans un mouvement Wicca, donc je ne crois pas au dieu cornu et à la déesse à
proprement parler, comme dans le mouvement Wicca. Je ne célèbre pas spécialement Diane, ni Hécate, ni la triple déesse, mais pour moi, ma déesse, c'est Mère Nature, c'est Gaïa, c'est Pachamama, c'est elle, ma déesse féminine, qui va incarner mon féminin sacré. C'est pourquoi j'ai pris cette représentation-là. Donc j'ai divisé en deux parties afin d'avoir vraiment le pôle féminin sacré et le pôle masculin sacré, chacun avec des fleurs également. Les fleurs, je vous invite à aller les récolter en pleine nature, c'est nettement plus sympathique d'aller recueillir ses propres fleurs. C'est économique également, hein, puisque vous ne dépenserez pas le moindre centime. Vous passerez une très bonne après-midi ou une très bonne journée. N'oubliez pas d'offrir des choses à la nature, hein, c'est-à-dire que vous prenez. Oui, c'est bien, mais essayez de faire des offrandes derrière. Remerciez au moins un minimum, hein. C'est comme je vous le dis souvent, je pense pas que vous apprécieriez quelqu'un qui viendrait chez vous et qui prendrait des trucs sans vous demander l'autorisation. Ça s'appelle du vol. Eh bien vous, c'est le même principe. Lorsque vous allez récolter vos fleurs en extérieur, demandez au moins la permission aux différentes fleurs, aux différents arbres, et remerciez également à chaque fois que vous prélevez quelque chose, hein. C'est vraiment ça, c'est le minimum que vous puissiez faire. Après, vous pouvez pousser un petit peu plus loin avec des offrandes. Pour les fleurs, il n'y a pas de code, c'est-à-dire prenez vraiment des fleurs que vous trouvez belles, qui vous attirent par leur couleur, leur parfum. Vraiment, faites-vous plaisir au niveau des fleurs, surtout que les fleurs qui vont sortir pour cette période-là vont forcément avoir un lien avec Beltane. Donc même si vous trouvez, pourquoi pas, il peut encore y en avoir, hein, des jacinthes, des jonquilles, des choses comme ça, ce sont plutôt des fleurs d'Ostara, mais si elles sont encore présentes et que vous avez la chance d'en trouver, eh bien pourquoi pas en récolter une. Attention, récoltez bien uniquement les tiges, les fleurs, hein, surtout sur les jacinthes, les jonquilles, tout ce qui est bulbe. N'arrachez pas comme un bourrin, parce que vous allez arracher le bulbe et la fleur ne poussera plus après, hein. Donc vous coupez bien propre avec soit votre boline, soit un petit canif. Vous coupez proprement la tige, vous laissez bien le bulbe en terre afin que la fleur puisse se refaire d'année en année. Vous pouvez également récolter de l'aubépine, c'est le meilleur moment. Il faut savoir que l'aubépine se récolte pour Beltane, donc entre le 30 avril et le 1er mai, et en principe il va falloir prévoir votre réserve pour l'année. Donc toute l'aubépine que vous allez récolter pour la période de Beltane, ça sera votre réserve personnelle pour toute l'année jusqu'à Beltane prochain. L'aubépine est une plante particulièrement sacrée, c'est une plante qui est très utilisée en magie, elle a beaucoup de vertus, c'est une fleur qui un petit peu méconnue et pourtant elle a tellement de vertus autant médicinales que symboliques et magiques. Donc pour le 30 avril et le 1er mai, eh bien vous pouvez récolter votre aubépine et faire votre stock pour l'année à venir. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre d'autre sur votre autel? Eh bien, les couleurs traditionnelles de Beltane vont être le vert, le bleu et le rose, mais vous pouvez également rajouter du jaune, de l'orange, du rouge, vraiment toutes les couleurs qui vous parlent, hein. D'ailleurs, regardez, mon mât de Beltane reprend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment, comme je l'ai dit, la fête des fêtes, la fête des couleurs, la fête des fleurs. Donc on en met absolument plein la vue, on fait exploser les couleurs. Vous pouvez également mettre des cristaux sur votre autel. Alors on va se diriger vers des pierres qui vont avoir une symbolique particulière, comme par exemple le quartz rose. Quartz rose, hein, la pierre de l'amour, la pierre rattachée au sentiment. Si vous la prenez en plus en forme de cœur, c'est coup double, puisque celle-ci va représenter vraiment l'aspect de l'amour. On va aussi pouvoir mettre de la malachite pour tout ce qui est aspect de guérison, mais pour la couleur verte qui est présente, hein. Comme je l'ai dit, on célèbre également l'homme vert, donc la malachite va être ce vert persistant qui va représenter l'homme vert, mais également par toute son énergie de guérison, puisque Beltane, je vous l'ai dit, c'est une fête où on va essayer de cicatriser toutes nos blessures, on va essayer de se remettre de tout ce qu'on a traversé durant l'hiver pour vraiment emmagasiner un maximum de force et d'énergie pour le reste de l'été, et surtout se préparer à la prochaine période sombre qui reviendra. Donc la malachite est également très bien. La citrine, bien évidemment, hein, citrine, pierre du soleil, c'est le moment d'ailleurs même de l'exposer aussi au soleil pour pouvoir la recharger avec les énergies de Beltane. Vous allez pouvoir utiliser également de la septaria, puisque la septaria va avoir à la fois le pouvoir de l'eau et le pouvoir de la terre, puisque je vous l'ai dit, la septaria c'est une pierre particulière, puisque ce sont des plantes et des animaux, des dinosaures, etc. qui sont tombés au fond de l'océan, et tous ces fossiles vont en plus
de se cristalliser avec le temps, eh bien l'océan, avec le sel, va créer une sorte de calcite autour de ces fossiles. Et c'est comme ça qu'on va avoir cette pierre bicolore qui est très particulière, que j'aime beaucoup. Vous voyez, donc tout ce qui est gris va être les fossiles, et tout ce qui est jaune-orangé va être l'océan qui a créé cette pierre. Lorsque vous possédez une pierre de Septaria, vous possédez vraiment un bout de l'histoire de la planète, et je trouve cette pierre juste magique, rien que par l'histoire qu'elle raconte. Vous allez pouvoir également mettre de la cornaline. La cornaline, c'est une pierre qui est rattachée aux femmes, c'est une pierre qui est rattachée à tout ce qui est la circulation sanguine, donc vraiment l'énergie vitale du corps. C'est une pierre de soleil également, elle va rayonner par son aura. Et puis vous en avez d'autres, comme par exemple la Bloodstone. Alors moi je n'en ai pas, mais c'est une pierre rouge avec des petites incrustations de vert. Je ne sais plus exactement son nom en français, mais c'est une pierre également qui a énormément de vertus et qui est très utilisée pour Beltane. Et puis j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir au niveau des cristaux, mettez les cristaux qui vous parlent, utilisez les couleurs, ça je vous le dis souvent, il n'y a pas besoin d'être lithothérapeute pour utiliser des pierres, enfin un petit peu quand même. Mais vous pouvez déjà le faire à l'intuition et à l'instinct. S'il y a des pierres de couleurs qui vous parlent, comme la Beltane, je viens de vous dire que c'était le vert, le bleu, le rose, et bien pourquoi pas mettre des pierres qui sont de couleurs verte, bleue et rose sur votre autel. Vraiment, faites-vous plaisir et allez-y à l'intuition et à l'instinct, puisque comme je l'ai dit, Beltane finalement ne repose pas sur des principes fondamentaux qu'il faut respecter à tout prix. Non, puisque Beltane va être un sabbat où chacun va pouvoir livrer sa propre interprétation et réaliser ce qu'il a envie de réaliser, tant que c'est coloré, tant que c'est festif et tant que ça lui parle en termes d'énergie. Et bien entendu, l'emblème le plus important sur votre autel doit être le mât de Beltane. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ma version à moi, si vous ne vous sentez pas capable de la faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez simplement prendre un petit bâton, vous prenez quelques rubans, vous accrochez quelques rubans autour du bâton, vous mettez 2-3 petites fleurs autour du bâton et ça fait aussi très bien l'affaire. Vous plantez le tout dans un petit pot en terre et vous aurez votre mât de Beltane. Voilà pour les préparatifs de Beltane. Maintenant, vous avez absolument tout en main. Il ne vous reste plus qu'à tout mettre en place. Vous avez une petite quinzaine de jours avant d'arriver à Beltane et profiter de ce sabbat qui est absolument magique et féerique. Donc, profitez-en. Sur ce, moi, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.